C'est parti. Bonjour, bonjour. Ah, purée. Je marche. Salut, salut. Vivement demain. Merci pour les j'aime. Merci. Je sais pas combien je vais faire. J'ai toujours mon problème au genou. Je vais voir le médecin demain soir. Merci beaucoup. Merci, merci. Hier, je me suis acheté cette gourde à ABM, pas mal, sympa. En plus, ma fille aussi s'en a acheté une, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on est rempli d'eau. Et puis, ben, on peut faire, vous voyez. Mais ça, on va voir. Petit à petit, je fais mon petit parcours. Non, pas du tout. C'est que j'ai mal à un genou. Et c'est pas facile. Ah oui, c'est ce que je disais, mais ça je ferai petit à petit. Avec mes gourdes, j'ai ma fille qui a aussi des machins. Ah, oh, ça le fera. C'est petit à petit. Brusqué. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, faut y aller doucement. Surtout quand t'as un problème de genou. Ceux qui ne me croient pas, je vais vous montrer. Voilà. Ah bon? Ben, si c'était vrai, parce qu'en ce moment, moi, j'ai mal.
pas si c'est vraiment de l'arthrose ou autre chose que je fais, mais c'est douloureux. Mais je force un petit peu. Pas le choix, si je veux mon objectif, il faut que je le fasse. Et c'est ce que je fais, merci. J'y vais doucement. Je vais même commencer à tout noter. Tous les parcours que je fais, combien de temps, et tout ça. On va dire que la semaine dernière, c'était de l'échauffement. Là maintenant, c'est au sérieux. Par contre, je sais pas si je suis à la bonne vitesse, au bon truc, mais bon. Je vais à mon rythme. Et ça ira. Merci pour les j'aime. J'essaye de baisser la table pour que vous voyez que je marche sur mon tapis, que je machine sur un autre portable que vous voyez. Ta respiration pour ne pas s'essouffler. Je suis déjà à 8 minutes. Combien je vais faire aujourd'hui, je sais pas. J'aurais dû mettre mes écouteurs. Pas mes écouteurs. Mais quoi dire? Mes appareils auditifs. Merci. Ah, j'ai oublié un stylo. Merci beaucoup. Le parcours va être long et difficile, mais ça va le faire. Bonjour, bonjour. Je vais où comme ça? Bah, où je peux. Pour atteindre mon but, malgré mes douleurs, mes maladies, mon tapis m'a coûté 1700 balles, donc c'est pas pour rien. Et ça, c'est une grosse motivation.
suis à 10 minutes. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu appelles dédicace. Décidément. Ah bon? Faut voir. Là pour le moment je marche. Je progresse quand même. Là, j'aurais dû arrêter et je continue. Merci. Oui, je fais du tapis. Je vais essayer de faire jusqu'à 10h30. On va essayer. Commence à tirer. Non, je vais faire une demi-heure. Hola, donc ça doit être espagnol. Kappa, ça veut dire bonjour. Désolé, je connais pas l'espagnol. Quiero mucho. Bonjour, bonjour. Pourquoi il ne marche pas? Il ne veut pas marcher. Essaye.
91. Je sais pas si c'est bon. Oui, merci. Je fais 15 minutes de marche. Je marche. Salut, t'es en retard, Mélissa. Non. Oui, enfin peut-être aussi, mais perdre du poids. Oh, très cher. Quand je t'invite en live hein. Ou envoie une invitation quand tu seras prête. Je suis déjà à presque 17 minutes de marche et ça va. Ce matin la douleur est là mais pas trop chiante. Juste de marcher, je sais pas, il faut que je regarde si je peux l'incliner. Je suis maigre, mort de rire. Faut que je voie avec mon mari. Ouais. Mon mari qui est installé, je sais pas si on peut l'incliner. Ah bon? Attends, enfin, je regarde. Salut! C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est ah, bon, okay. Tout bon pour moi. C'est tout bon pour moi. Grande ouais, première bon. Pour moi. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne là. Bon, c'est bien. Tu fais de plus en plus de marche, c'est bien. Ouais. Là, je suis déjà presque à 19. Mais je voulais faire 30, mais là, je crois que ça va pas être bon. Non, fais comme tu le sens, ne force pas. Hein. Ouais. Je vais voir le médecin demain, on verra bien. Mais voilà, avec lui, ce qu'il en pense aussi. Comment on fait? Ah, je voulais passer en face cam, mais je sais pas comment on fait. Là, non. Je sais pas. Ah ouais, ta caméra, elle est pas... Si, là. Ah, voilà. Voilà, là, c'est bon. Là, on est bon. Rigole pas, c'est pas... J'ai jamais fait, alors... Bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, hein. On teste, on essaye. Ben oui. Ah, ben tiens. Faut pas répondre, hein, Agnette. Ouf. Parce que... On connaît le truc. Hein. Ouais. On connaît. Sur l'application Instagram, hier, j'ai regardé, parce que j'ai fait un réel.
Je suis rendue à plus de 217 000 vues, un truc comme ça. Mais alors les commentaires, je te dis pas, ma pauvre. Oh, bonaise. Je laisse, je laisse. C'est pas grave, ça fait du buzz. Ça fait des vues, ouais, surtout. C'est ça. Oui. Ça les fait parler, c'est pas grave. Ouais. Là, je crois que je vais faire une petite pause. Je suis rendu à 20 minutes et quelques. Bah, c'est déjà bien, hein? Attends. Purée, quand ça s'arrête. Ah, il y a Stéphane qui vient d'arriver. Ah. Ouais, Et il bosse pas, lui, hein? tiens, c'est la pause. J'essaie de me caler par là où il n'y a pas trop de reflets, parce que hop, voilà, parce que sinon, T'as pas vu son message? hein? T'as pas vu son message à Stéphane? Lequel? Ah non, tu vois pas mes messages? J'ai juste qui te dit coucou mon amour, bon courage. Voilà. Oh, c'est gentil. Ouais. Et tu C'est bosses pas, gentil. hein, feignant? Ouais, c'est ça, hein? Mais alors, au boulot, au boulot, au boulot. Il t'a dit bonjour. Hey, ça va Stéphane? Ça fait plus longtemps, 2 fois par semaine. 15 minutes par jour, ben là j'ai fait 20 minutes 37. Ah, mais bien. 748 pas, si j'ai bien compris, 280 mètres. Et j'ai perdu 40 calories. Je sais pas si t'as vu mon tapis, je vais te le montrer. Attends, hop. Donc là, du coup, ça fait la table. C'est pratique cette table. Et mon tapis. Ouais, 1700 boules, hein. Bien. Mais bon, si après, si c'est mieux pour toi. Oh, mais je suis pas toute seule à m'en servir, donc ça va. Enfin, là, Bon. Émilie, elle peut pas s'en servir parce qu'elle est au centre d'obésité, mais Stéphane, l'autre jour, il s'amusait. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Il a voulu essayer en grande vitesse. Bon, il a fait qu'une fois, je présume. Il n'a pas refait. Ouais, c'était juste. Oui, 1700 euros à cause de mon poids. J'ai pas trouvé moins cher. Ah oui, hein, il y a une limite de poids, hein, pour. Si j'en prenais un qui faisait, enfin, qui soutenait 120 kilos, je l'aurais pété le bordel. C'est ça. Ben moi aussi, ça Décathlon. Mais je l'ai pris à crédit, malheureusement. Mais bon, on va faire, hein. Ben, des fois, on n'a pas le choix, hein. Bon. Pas le choix, des fois. On a acheté ça hier. Ah, c'est ADF. pratique, c'est gourde comme ça. Émilie, elle en a une aussi. Quand elle reviendra, ben, en même temps de marcher, ben, on fera les. Je préfère les biscottos en même temps. Non, c'est en cours la chirurgie. Je vois qu'au mois de juillet, mon chirurgien. Mais bon. J'ai plein de choses encore à faire. Parce que ce que j'ai plus peur, c'est le. Parce qu'apparemment, il faut un truc pour l'estomac, là. Enfin, apparemment, on n'est pas endormi pour ça. Alors. Ah oui, alors, oui, c'est sûr, et ça fait un peu peur, c'est vrai. Des sens, je vais en baver de ça. Moi, je me doute bien que la chirurgie du poids va changer, mais savoir lequel je vais faire, la scie ou le bypass, j'en sais rien. La fibrosie, tu peux demander en anesthésie générale. Ah, c'est ça la fibro. Ouais, ben s'ils veulent, parce qu'il y en a apparemment, ils sont pas très. Ça, c'est ce que j'appréhende le plus. Après, le reste, ça peut aller. Parce qu'il y a plein d'examens à faire. Apparemment aussi, il faut avoir un maximum de dents.
Et moi, comme j'en ai enlevé, faut que je revoie mon dentiste pour voir que, bah, ce qu'on va faire. Je peux savoir si je vais avoir un dentier ou autre. Faut avoir un pourcentage pour. Je sais pas comment de max, max, je sais pas comment je t'expliquer, mais il faut. Faut mâcher, quoi. Enfin, il faut. Ah Alors, faut avoir un certain nombre de dents. ouais. Si j'en ai pas mal dans le nez, ben, je suis dans la merde. Ça, je savais pas qu'il Ben, fallait je suis dans une association là où il faut où ils font le ils nous aident et tout ça là. Et il faut un certain nombre de dents pour malaxer. Enfin, j'arrive même pas à m'exprimer, tu vois. ouais, pour pouvoir Faut marcher bien manger, faut correctement. bien voilà. D'accord, mais ça, je savais pas. Ben écoute, ça a l'air d'être nouveau parce que moi non plus, j'avais pas entendu ça parler avant. Mais ouais. Ça doit être dans les nouveaux protocoles, certainement. Oh voilà. Par contre, j'espère que je vais pas mettre longtemps à avoir l'opération parce qu'il y en a une de l'association. Elle a mis 4 ans avant de se faire opérer. Ah, ah J'ai pas ouais. envie d'attendre longtemps, hein, je le dis. Énorme. Alors, soit elle a loupé des rendez-vous, soit je sais pas. Ah non, moi j'attendrai pas 4 ans. C'est soit ils me le font dans l'année qui suit, soit Ah ouais, Après, attends. c'est une solution, mais. Voilà. Ah non, non, j'en ai marre. Là, mon corps, il tient plus. C'est énorme. 4 ans. Faut compter un an après le début du protocole. Si tu suis bien, tu as rendez-vous. Bah, il y en a qui ont 6 mois, il y en a qui ont 1 an, il y en a qui. Mais là, le plus gros que j'ai entendu, c'est 4 ans. Non, moi, 4 ans, Énorme. alors là, ça me démoralise, c'est laisse tomber. Ça, c'est clair. Mais bon, avec Emilie, là, je pense qu'on va être bien. Bien motivée. Elle qui met pas les haricots verts maintenant, elle adore. Bah tiens. Ah là, ça pesait aujourd'hui, là. Bah, j'attends la réponse d'ailleurs. Là. La semaine dernière, elle a perdu 2 kilos. Aujourd'hui, je pense que ça devrait le faire. Mais il y a aussi le fait qu'on perd du poids, mais qu'on prend du muscle. Ouais, Donc moi aussi, ouais. on perd pas. Alors C'est j'espère que ça. ça ne va pas la décourager. C'est ça, c'est comme moi là, même si je me suis pesée la semaine dernière, je viens de remettre une jupe et j'y nage dedans. Ah ouais. Donc, et que comme ça que je le vois moi avec les vêtements. Parce que Bon. la balance, je m'y fie plus. Ah bon? Non, parce que j'ai l'impression que la mienne, elle déconne. Des jours à l'autre, c'est en dents de scie. Alors, Moi, je me suis pesé ce matin, ça m'a découragé aussi, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi. Je descends à 156 et là, je suis remonté à 161 et je sais pas pourquoi. Et pourtant, je fais rien de spécial, hein, Stéphane pourrait te le dire. Hein. Et lui aussi, il comprend pas. Hein. bon, c'est bizarre quand même que Non, mais je pense que y a un autre problème qu'ils n'arrivent pas à trouver, c'est tout. si tu changes pas tes habitudes ni rien, c'est bizarre quand même. Et le pire, c'est que je marche plus qu'avant. Ouais, là, il y a un problème. Ouais, ça, je sais qu'on peut prendre du muscle, mais quand même. C'est vrai Mais que c'est étonnant. j'ai fait une vidéo du pique-nique. Ah ouais, mais j'ai pas pris complètement. Hier, c'était salade, tomate, banane en dessert. Attends. Salade, tomate. Bref, il y avait plein de trucs. J'ai encore là des radis. Là, j'ai fait un truc à l'aubergine. Parce que tu sais, l'autre jour, j'ai pris une caisse de légumes. Il y a un truc à l'aubergine, il y a du poivron, il y a des tomates, il y a des courgettes. Enfin, j'ai fait plein de trucs là. Bah, rétention d'eau, on me dit que j'en fais pas. Pourtant, je bois pas beaucoup d'eau, alors ça devrait. Enfin, je sais pas, je comprends rien à mon corps. Mais ça, je sais aussi que ça joue, hein, le fait de pas boire beaucoup d'eau. C'est pour ça que Oui, je m'achète c'est de ça. plus en plus de trucs. Parce que là, bon, elle était là depuis ce matin, donc tu vois, j'ai pas encore bu beaucoup. J'arrive pas à boire. Si je suis pas active, entre guillemets, je bois pas. Ah ben j'ai exactement le même problème. Donc Pareil. automatiquement, ben, on n'élimine pas parce qu'on. Voilà. C'est ça. Moi j'ai plus tendance à boire pendant les repas. Toxinal, oui, je sais, mais justement, non. Non, non, ça fait rien du tout.
Là, c'est juste mon genou qui me cassait, entre guillemets, les cacahuètes, là. Alors, il va voir si j'ai une infiltration ou pas, mais bon. Que je sais que Stéphane, lui, ça lui a changé la vie, hein. Si ça peut te soulager, ça serait déjà bien. Le but, c'était de pouvoir marcher de plus en plus. Alors, si j'ai ce problème de genou. Ouais. Alors, j'ai pas de diabète. Enfin, c'est ce que dit le médecin. J'ai pas de cholestérol. Je suis en manque de fer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, je sais plus. Faudrait que je note tout et puis que je. Ouais, je vois pas. Je vois pas. Je vois pas ce qui pourrait. À part un problème de rein, je vois pas. Ah, parce que ils ont regardé au niveau de la thyroïde, du Oui. taux. Rien non plus. Par contre, il me dit si, comme t'as acheté bébé. Enfin, que j'ai. Il me dit si. Il faut attendre 6 mois encore pour faire une prochaine frise de sang et qu'il voie s'il y a. Et moi, dans tous mes examens, j'ai pratiquement rien. Mais il y a quelque chose qui cloche quelque part, mais on va savoir où. On dirait que quand je vais au médecin, hop, tous les trucs. Ou les spécialistes, on dirait que tout s'en va. C'est dingue. Et de la natation. Ouais, on y pense, ça, une fois par semaine, aller à la piscine. Il faut qu'on voie avec Emily. Ouais, aussi, ouais, ça peut être pas mal aussi, ouais. Pense que ça soulagerait mon genou, mais le problème, c'est, voilà, les gens, le regard. Enfin, je m'en fous un peu, mais ça me fait chier par rapport à Emily, quoi. Parce Pour qu'elle, elle qui? aime pas. Hein. Dès qu'on me regarde, oui, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu sais qu'elle, elle se fait pas peur, hein. Pour qu'elle apprenne à s'en foutre. Bon. Ah bon. Voilà, elle entame sa 3e semaine. Et Ah, elle bien. rentre vendredi là, mais elle rentre vendredi l'autre. Ah, ouais. Pareil, là-bas, il y a des tapis, il y a du vélo, il y a fait du yoga. Bon, là, demain, à la piscine, elle peut pas y aller, malheureusement. Ah. Problème de fille, hein. Mais bon, Ouais. bon, bah, voilà. Ah là, cette semaine, elle va aller en. Ils vont lui apprendre à. Enfin, on va apprendre. Oui, de toute façon, on n'y va jamais, c'est moi qui vais. À faire des courses. Ah ouais, Mais c'est je bien. pense que ça va être des courses équilibrées avec les prix, les machins, les trucs équilibrés et tout ça. Enfin. Elle a ça et. Ouais, elle a le truc de budget et le truc de course cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Alors, je sais plus si c'est sur son. Elle m'avait envoyé le truc. Bref. Oh, t'as vu à peu près ses repas aussi? Hier, j'ai oublié de poster. Non, j'ai vu, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je trouve que ça va, c'est bien quand même. Je trouve Ouais. que ça va, ça, ouais. Pour le matin, elle a une dose, enfin, un sachet de chocolat, et elle doit le partager en 2 jours. Hein? Le matin, c'est soit une compote, soit un fruit. Pas de jus d'orange, on est habitué au jus d'orange à la maison, donc ça aussi, il va falloir qu'on l'enlève. Oh, punaise. Ça, par contre, c'est le seul truc qui, peut-être, qui a du mal à. Que j'ai du mal à enlever, par contre. J'aime bien mon petit jus d'orange le matin, mais c'est peut-être ça aussi qui doit machiner le sucre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais oui, c'est trop sucré pour le matin, quoi. Bah ouais, donc je pense que ça aussi, il faut que je change. Je change. Oh oui, il y a plusieurs choses, la prise de poids. Il y a mes grossesses. Une grosse dépression. Et j'en dirai pas plus, mais voilà. Il y a beaucoup de traumatismes dans mon enfance, donc ça se joue aussi. Ouais. Faut aussi penser à soigner ça aussi, parce que ça a un lien aussi. Non, bah t'inquiète pas, il y a le pour l'opération, il y a le suivi psy, suivi diète, suivi. Enfin, je vais avoir tout un suivi. Donc. Voilà. Oui, ça va. Baroudeur. Tu bosses pas toi non plus? Je j'ai fait une. Ça doit être midi. Oui.
Ouais. Hâte de savoir si elle a perdu ou pas. Ah. Parce que, cette semaine, non, elle fait pas de cuisine cette semaine. C'est une semaine sur deux la cuisine. D'accord. La semaine dernière, elle a fait ses repas. Bon, au moins, ça l'a appris, parce qu'à la maison, pas évident, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon allez, est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends pas? Je vais peut-être refaire 5 minutes. Allez, go. Motivation. Ah, on va pas dire que j'ai pas bossé ce matin. C'est ça, tu bosses pour toi. Par contre, tantôt, je sens que je fais pouf. Ouais, Ah, si je me mets sur le canapé, c'est sûr que je dors. c'est bien, c'est pas mal de faire une sieste aussi un peu. Et toi, t'envisages pas un tapis? J'ai pas la place. Je sais pas où le mettre. J'ai pas la place. Bah moi j'ai trouvé la place, hein, je te le dis. Même si j'avais pas de place, j'ai trouvé. C'est vrai que ça prend de la place, hein, mais tant pis, C'est hein. ça. Ouais, puis moi, en principe, je prends les chiens, je vais marcher. C'est toi, Sandy. Ah. Bravo! Je sais pas si t'as compris la phrase, hein. C'est toi, 110 kilos. Ouais, même son nom, t'as vu son pseudo? Oh, mais moi, je réponds plus à ces gens-là. Ah non, faut passer outre, on s'en fout. Ah, Émilie! Tu veux Ah, que salut t'invite à... Mistinguette. Salut! Tu mets en live toi aussi? Alors, as-tu perdu du poids, ma fille? Va-t-elle me répondre? Elle est peut-être occupée, elle passe un petit coucou. Je pense pas. Allez, on sort rendez-vous au médecin. Elle a peut-être une activité après. Moins 116,2. Ouais, c'est un petit peu quand même, arrête. Tu faisais 117 et quelque chose. C'est normal, t'as dû prendre du muscle, je te l'ai dit, poulette. Bah, t'as quand même perdu un kilo, non? Ah bah là, elle est déçue. Ah, mais c'est pas grave, ça va revenir. Faut pas y aller trop vite, faut pas tout perdre, faut pas perdre trop non plus d'un coup, hein. Après, c'est pas bon non plus. Du coup, ça fait 3 kilos en 2 semaines, ça va? Bah, c'est bien. Il y en a, ils font ça en un mois, donc. Bah, et c'est ça. Allez, poulette! Ah oui, c'est vrai, il n'y avait plus, j'appelle poulette. Ah bah oui, mais c'est plus fort que moi, hein. Ils ont plus l'âge, ça plaît. Elle a plus l'âge, ça s'appelait Poulette. Ouais. Ah, mais c'est mon dernier bébé, alors. Ben, c'est comme ça. C'est ça. C'est comme le mien qui va avoir 11 ans là bientôt là. C'est Loulou, mais il aime pas trop ça. Hein. Moi, je trouve 3 kilos, ça va. En 2 semaines, je trouve que c'est bon. Moi, je trouve que c'est une bonne moyenne, c'est bien. Bon. Bon, ça va, il n'y a pas trop de haters aujourd'hui. Ça va. Le matin. Pour ça, je préfère plus le matin, moi. En général, les gens travaillent ou ils dorment, tu sais. En C'est général, ça. ces gens-là, ils machinent plus le soir et la nuit. C'est Le matin, ça. ils dorment comme des. Ouais. C'est ça. Après, c'est à nous qu'on va dire, vous bossez pas, nanani, nanana. Hein? S'ils savaient. Voilà, moi, je reprends que demain soir. Je marche.
devrais le voir, les gens. Je fais pas exprès de me dandiner, hein. Ça serait trop beau. Il faut vraiment avoir un toc, hein. D'ailleurs, c'était 22, hein, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? T'as pas l'air d'avoir le moral, hein? Ouais, je crois que ça l'a un petit peu flingué, Ouais, je crois qu'il va falloir que j'arrête. Toi, j'ai fait 5 minutes déjà, regarde. Et il va falloir que je l'appelle. Purée, à chaque fois quand ça s'arrête, c'est marrant quand ça commence, ça fait un décompte, mais quand ça s'arrête, c'est direct. C'est brusque. c'est ça, c'est brusque. Purée. Ouais, Et ça t'as va. pas les... y a pas de barre sur le côté pour que tu puisses te tenir, quoi, pour pas. Là, j'ai cul à table. Ouais. Là, j'ai choisi un truc exprès, que là, je ne l'ai pas encore fait, mais pour travailler sur mon ordi en même temps. Ben ouais. Ou tu te mets de la musique, hein. YouTube ou. Émilie, réponds pas. Non, finis ton live, t'inquiète pas, j'ai le temps. Non, non, je vais t'appeler. À qui t'as répondu là? Adrien Spigdrin. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Que t'avais rien dans la tête. Oh, rien à foutre. Là, c'est Émilie. Faut pas parler aux gens comme ça. Comme on dit, pas pire que lui, hein. Non. Aïe, aïe, aïe. Bien, là, mon Dieu. Mais laissez, c'est fait exprès. De toute façon, moi, ça me fait des, comment dire, des vues et de, comment dire, ça s'appelle, de l'algorithme. Donc, C'est ça te fait gagner en visibilité. ouais. Elle empêche sur Instagram là, sur le nom que tout le monde n'aime pas là. Mais j'ai fait exprès de mettre ce titre. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. J'ai pris au moins 300 abonnés, si c'est pas 400. Oh bah dis Pour donc, une seule vidéo, hein. ça rapporte, dis donc. C'est pas ce que je demandais, mais bon. Bah, il faut en profiter, écoute. T'en es pas un hater, ouais, c'est ça. Déjà, quand tu vois ton photo. Si t'étais pas un hater, tu parlerais pas comme ça. Déjà. Je vais pas tarder à arrêter le direct, parce qu'il faut que je fasse mes courgettes. Oh. Ouais, moi aussi, je vais aller faire mon repas de midi. Ça m'étonnerait, hein. J'aurais un cœur, je parlerais pas comme ça. Ça y est. Alors, ils sont réveillés, les Turfs. Tu peux arrêter de... Ça y est, c'est bientôt 11 h, c'est l'heure. Ah bah attends, rien que pour faire parler, je vais m'allonger, tiens. Hop, voilà. Voilà, ça va comme ça? Vous n'avez pas de leçon à me donner. Bah pourquoi tu parles? Barre-toi! Bah ouais, quand t'aimes pas quelqu'un, tu zappes. Déjà. Ben, j'ai 10 ans plus que toi. Oh, puis non, faut pas que je me réponde, putain. Moi, depuis tout à l'heure, je me retiens, hein, parce que sinon. Non, mais il faut se retenir, hein, parce qu'autrement, on va dire des mots. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, les gens, c'est ce qu'ils cherchent pour après pu republier. Ça, c'est vrai, je vous aime pas. Bah alors, pourquoi tu te barres pas? Oh, je le sais, merci. Aussi, oui. Émilie, t'énerve pas. Alors, déjà qu'elle est mauvaise humeur. Ah,
Ah bah oui, il est bientôt 11 h, alors c'est là où ils prennent le petit déjeuner. Les haters. Ouais, sinon, quoi de neuf? Bon, pas grand-chose à toi. Jeudi, je vais retrouver une copine de collège. Purée. Ça fait... Je crois que ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Bah c'est bien, j'ai deux haters qui vont bien s'entendre pour me critiquer. Ah bah c'est cool. Ben c'est bien, on va les marier, c'est bien. Émilie, pas d'insultes. Mon cœur non plus, il répond pas, ça sert à rien. Aïe, 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 Lui aïe. aussi va s'y mettre. Mais vous posez pas ce matin, c'est pas possible. Je savais pas qu'elle avait autant de caractère quand même, Émilie. Alors, mais faut voir, hein, plus ça va, plus. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère. T'as Stéphane qui dit, t'as vraiment rien dans le cerveau à critiquer sans savoir et avec méchanceté. Ah, ta fille est moche. Ouais, bah c'est bien, tant mieux. Toi, c'est même pas ta photo de profil, alors ferme-la. Parce que c'est pareil, hein, quand tu vois les haters, c'est même pas leur photo de profil, ou soit ils n'ont pas de publication ou des trucs comme ça. C'est ça. Comme on dit, on est peut-être moche, mais au moins on a quelqu'un dans notre vie. Exactement. Comme l'autre jour. T'es marié? Ben non, non. Tu as vraiment un gros cerveau. Oui, des chiens. Oui, continuez, ça me fait rire. C'est bon, se sont calmés ou pas? Il est où, faites lui? Vas-y. Oh, purée. Oh bah oui, tranquille. Hein, mon pépère. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Ah ben il est tranquille. Ah ouais, non, mais lui. Mais en ce moment, il fait des conneries. Ah. Dès qu'on n'est pas là, il. Voilà, les poubelles. Je t'enverrai ce qu'il nous a fait. Ah, toi Hein? aussi, Ah j'ai la ouais. même. Putain, le dur, on retrouve jusqu'à la poubelle de la salle de bain. Oh punaise. Mon Dieu. Et ça, c'est depuis qu'Emilie est partie, surtout. Hein. Ah ouais, tiens. Ouais, il se sent pas très bien, quoi. Enfin, ça doit lui manquer. Bah attends, on l'a vu 2 fois la semaine dernière, 2 fois à suivre. Là, il l'a encore vu hier. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Hein. Ben, ouais. C'est bizarre. Moi, j'ai la mienne, mais je sais pas si tu vois. Tiens. Pas si tu la vois. Voilà ma colle bleue, tu vois. Voilà. Collée à moi. Toujours collée à moi. Ça va, de temps en temps, je check la porte du côté terrasse parce que j'ai les poules qui rentrent. Ah. Oui, et on est fiers d'être folle. Alors, beau papa gamer, Miss Millie Lag et Baroudeur, laissez-les. Laissez-les.
Mais merde, non, mais n'importe quoi. C'est quand ça, le 29? Quel jour c'est? On est déjà le 22, ça doit être lundi prochain, je crois. Ça doit être ça. Ouais, c'est lundi prochain. Ouais. Ah, c'est parce que c'est ma patronne qui me demande si je peux si je peux bosser le 29. Ouais, ben c'est lundi. Oh putain, on sera déjà au mois de mai. Oh. Et je lui répondrai après que pour faire 6h30 midi. Ça fait du boulot, ça fait des heures. Bon, après, c'est pas désagréable. Pourquoi il veut pas tenir? Ah, là, c'est mieux. Oh, je les ai pas mis. Faut que je les mette. Que je t'entends, mais. Ah. C'est bien parce que parfois quand j'écoute de la musique, ça fait écouteur en même temps. Ah, c'est bien ça. Ah ben, du coup, tu vois, je t'entends avec. Voilà. Personne n'entend ma conversation comme ça. S'il y avait quelqu'un à la maison, hop, tranquille. Voilà. Et toi, tu m'entends bien? Oui, nickel. Ouais. Impeccable. Je pensais pas que je pouvais faire ça comme ça. Bon, c'est pratique, ça, au moins. Ouais. Bonjour, oui, ça va. Ah oui, il faut que je note combien j'ai fait de marche. Donc, du coup, c'était 22, hein, le premier. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, 22 plus Voilà. 5. Ouais. Ah, 27 quand même, hein, Ben, aujourd'hui. c'est bien. C'est bien, et au fur et à Ouais, mesure, c'est tu te chaud. rendras plus compte, tu vas augmenter tranquillement. On va donner ça pour le faire. Ah, je connais pas celui-là. Deux par jour. Et ça, c'est pour ma tension. D'accord. Cool, hein? Ouais. J'espère que je vais pas en avoir d'autres. C'est sûr que... Si je me mets trop près, on va me dire, eh, t'es trop près. Moi, j'ai que le traitement pour la thyroïde pour le moment. Mais bon, on a galéré pour retrouver un bon dosage. Ah ouais. Ben ouais, tout d'un coup, là, pendant 10 ans, ça n'avait pas bougé. Et là, tout d'un coup, le taux était remonté, mais bien au-dessus. Et pendant 6 mois, on a tâtonné pour savoir quel dosage il fallait que je prenne. En plus, c'est chiant parce que c'est un jour d'un tel dosage, 2 jours de tel dosage. Bah, je comprends parce que moi aussi pour la tension là j'avais pas ça avant. J'avais un Primpéran, je crois. Ou non, un truc comme ça. Enfin après j'avais un autre dosage. Même deux médicaments par tension, un pour le matin et un le soir. Et du coup il a régulé et il m'a donné ça. Ah ouais. Du périndopril, quoi. Donc ça aussi, dans la perte de poids, je pense que ça doit pas jouer. Voilà. Comme moi pour le cacher pour la thyroïde. C'est pas... Lily, tu fais rien d'autre ce matin? T'as pas d'activité? Je me rappelle plus, tu m'avais envoyé ton calendrier.
Faut que je regarde. Ah, je sais pas si t'as vu là, Kenji Girac. Ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai mais dis donc. Ça m'a surpris, moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Crazy? Viens là, mon pépère, viens. Non, il n'y a pas d'atelier ce matin. Ok. T'as toujours pas d'email non plus? Là aussi, c'est pareil. Ah. On lui a accepté la hache, mais alors la CAF, pour te donner des sous, ils en mettent du temps. Or ça, Et comme encore, si d'hab. elle en a. C'est ça qu'on voudrait savoir, si elle en a ou pas. Ben ouais. Et la MDPH lui a accepté la hache, mais maintenant, comme ils disent, c'est la CAF après qui voit en fonction des revenus, tout ça. Donc, elle n'a pas de revenus, moi non plus, il n'y a que Stéphane. Je vais aller voir quand même. Ça m'étonnerait, on est lundi. Le dossier est en cours de mise à jour. Ben c'est bien. Toujours bien. Et qu'est-ce que tu dis, baroudeur? J'ai rien compris. Bonjour. Rien, laisse tomber. Non, mais je vais bientôt arriver. Arrêtez, pardon, Émilie. Laisse tomber. C'est pas bon de s'énerver pour ces cas-là, ils en valent pas la peine. Oh non, ça bouffe ton énergie pour rien. C'est ça. On dit, s'il n'est pas content, il a qu'à partir. T'as pas assez mangé, toi? Bouffe la gamelle du chat. Bah, c'est tellement meilleur les croquettes des autres. C'est pareil, il passerait ses journées dehors, mais il fait froid, merde. C'est ça. Enfin, moi, là, j'ai laissé ouvert, mais il y a un sacré vent froid. Moi, je peux pas. Bon, allez, il va falloir que je fasse la cuisine. Oh. Et puis les repas pour Stéphane. Pour la semaine. Cette semaine, il fait 7h30, 3h30. Ah J'ai oublié, je vous signale. Oh, pauvre chatte. Ben, vas-y. bon. Tu fais rien de mal, hein. Ben non, on dirait. Mais c'est ça, les gens, quand tu leur réponds pas ou quand tu leur tiens tête, ben après, ils signalent ou autre. Ben, ils peuvent. S'en fiche, on fait rien de mal. On n'insulte pas ni rien, donc. Pense Mmh. pour faire peur. Après, ils te disent que ah, c'est nul, il est insulté et compagnie, mais il reste quand même, c'est quand même qu'on est intéressante quand même dans un sens. Ben, Exactement. faut le prendre comme ça. Mon Dieu. Ça me fait bien rire, tiens. Bon, allez, là faut vraiment que je gagne. Je sais pas ce que je vais faire avec les courgettes, je vois.
Ouais, j'ai les courgettes. Les aubergines, c'est fait. J'arrête, poulette, parce que là, je sens que tu te... Ouais, elle se tend de plus en plus, la mise. Hein? Tendu, tendu. Bah allez, bisous. Ouais, mais on se refera un de ces quatre. Ok. Baroudeur, je crois pas, hein. Oh putain, l'autre il insulte ma fille. Oh, c'est pas bon. Oh là là. Oui. Oh oui, elle est très énervée. Quand tu vois qu'elle répond à un ami, non, tu as pas intérêt à manger que chez ma mère. Bon, bah voilà. Oh Allez, punaise. bisous. Ouais, bien à la prochaine. Ouais.